Salut, c'est Cascal, on se retrouve une nouvelle fois sur Ecclebox et plus précisément donc sur Neo Geo pour la présentation d'un jeu de combat qui n'est clairement pas non plus dans les plus connus des jeux de combat de la Neo Geo. On est sur Power Instinct Matri Melee, un jeu de combat que moi personnellement je trouve plutôt sympathique. Voilà. Alors, je sais que les anciens Power Instinct étaient pas oufissimes, hein, mais je trouve que le Matri Melee est quand même plutôt sympa. Voilà, donc comme d'habitude, je mets un crédit et on est parti. On a le How to Play qui peut être intéressant, donc on a évidemment du Light Punch et du gros point. Mais c'est intéressant au niveau de l'arbitre, quand il y a un arbitre, il faut voir, voilà. On peut donc appeler l'arbitre pour qu'il s'interpose, je ne sais pas trop, honnêtement je ne sais pas trop, parce qu'il n'y a pas un arbitre à chaque combat, donc j'ai pas tendance à me servir de ça. Surtout qu'avec une manette Xbox 360, faire les touches B et C en même temps, c'est un petit peu plus compliqué, c'est le X et B de la manette. On verra, on verra bien. Je suis un petit peu enrhumé, mais c'est pas grave, ça va aller. Allez, on y va. Alors, on a quand même une belle sélection de personnages. Je vais vite faire le tour comme ça, voir un petit peu ce qu'on a. Et je vais choisir Kiss. Voilà, Kiss, par exemple. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Alors, il faut que je me rappelle un petit peu des trucs, mais ça devrait aller. Mais là, par exemple, on a un arbitre. On pourrait essayer quelque chose. Je vais voir. Non, non c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. J'essaye. L'arbitre. Bon, c'est peut-être pas à tous les moments, je ne sais pas. Allez, on va essayer de faire... Non, pas comme ça. Voilà, je me répète un petit peu, hein, je fais un peu toujours les mêmes attaques. Là, je suis en mode, je recherche les coups. Voilà, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. J'avais un coup, mais je... On a des niveaux de puissance qui explosent à chaque fois qu'on les passe, ça se fait automatiquement. Là, je n'ai pas encore de combo, hein, donc je fais un petit peu ce que je peux. Je cherche. On va tenter. Ah, juste le temps. J'ai pas fait attention au temps. J'allais justement essayer une attaque plus super. Là. Non. Ah, zut. Où ça va? Peut-être qu'avec trois niveaux. Allez, ça fait quelque chose. Ah. C'est dommage, c'était joli, mais ça n'aura servi à rien. Ah, c'était pas mal. Est-ce que j'ai gagné? Non, je n'ai pas gagné. C'était juste. Ouais, bah encore dans le vent. C'est dommage. Donc ça, c'est un quart de tour vers l'arrière coup de pied, cette taxi. On a un quart de tour vers l'avant, coup de poing. Non, allez-y. Ça c'est un quart de tour vers l'avant coup de pied, on a un quart de tour vers l'arrière coup de poing pour faire cette boule au sol. Comment ça m'a embêté? Oh, c'est pas mal.
je recorde. Et ça passe. Au bon moment. Au bon moment. Bon, le combat était pas ouf. Je sais pas si j'ai choisi un bon combattant. Mais le combattant d'en face étant assez similaire au mien, j'ai pas trouvé que le combat était beau, je dois bien l'avouer. Mais bon, on verra, peut-être que le suivant sera plus intéressant. C'était pas mal. Ce coup-là, hein, quand on l'éjecte jusqu'au bout du terrain, donc c'est les touches C et D en même temps, donc le gros coup de poing plus le gros coup de pied, ça fait un truc plutôt intéressant. On va le refaire dès le début du combat pour voir. Bon, là, je ne sais plus. Par contre, il n'a pas raté. Ok, c'était pas mal, c'était pas mal. Donc on continue, on continue. J'espère qu'on va changer de décor. Ils sont assez intéressants les décors par rapport aux jeux de combat habituels. On n'a pas des décors, je sais pas. Un magasin d'imprimantes, c'est nouveau. Il n'y a pas que ça, on remarquera d'autres trucs, des musiques en arrière-plan qui sont bizarres pour un jeu de combat. Et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant. On n'aura peut-être pas l'occasion de les voir dans cette vidéo, ça, je ne sais pas. Je parle de moins en moins, j'essaie de me concentrer. Oh non, je faisais mon attaque. Je me suis fait contrer comme un bleu. Pourtant, je la sentais bien ce coup-ci. Elle va éviter à chaque fois, hein, c'est sûr. Ah non, pas à chaque fois. Allez, charge ma barre que je puisse faire mon attaque. Voilà, c'est face. Pas mal, pas mal.
Ah, du Japon. Oh merde! Je pensais qu'elle m'avait raté, j'ai baissé ma garde. J'oublie à chaque fois cette explosion de mana qui peut nous faire chier vraiment. Uh-oh. C'est pas bon. Ah. Ah, le temps, est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné. C'était juste. J'avoue que là, sur le coup, j'ai eu un petit peu de chance. J'avoue que c'était pas beau. Après, je connais assez mal le jeu, je sais qu'il est sympathique, mais j'y ai pas beaucoup joué. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est dégueulasse! Oh oh! J'ai cru que j'allais gagner! Elle m'a fendu en deux, ça! Merde! Alors je m'en fous si c'est pas trop. Je m'en fous. Oui, je l'ai raté. J'ai l'impression que la mienne était quand même vachement moins puissante que la sienne. On est vite. Voilà, bon. Ça reste jouable. Je tente le combat encore après. Ça fait super mal, j'ai pas eu le temps de le dire. Et voilà, c'est game over. Et la prochaine fois, on essaiera de se retrouver donc sur autre chose qu'un jeu de combat. Hein. J'essaye d'alterner un petit peu, c'est pour ça que je place de temps en temps un jeu de golf, un jeu de baseball, un jeu de voiture. Parce qu'il faut quand même avouer que sur Neo Geo, on a quand même énormément de jeux de combat, et heureusement, énormément de bons jeux de combat. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !